Coucou. Jeudi 17 juin 2021, Voix de la Liberté qui faisait Paris, Metz et l'Allemagne, je crois que c'était Trèves, je suis plus sûr. Voilà. Représenté par les bornes comme ça, tous les kilomètres. Voilà. Donc là, on est à Saint-Rémy, commune à côté de Wapi, qui en fait partie d'ailleurs. En fait, il y a un petit bout de chemin qui est tout neuf, qui relie Saint-Rémy à la véloroute Charles-Téméraire. Voilà. Que je vais emprunter pour la première fois parce que ça a été fait tout récemment. Avant, c'était pas praticable en roller, donc zone 30. Ça va. C'est mon allure moyenne. Tout va bien. Donc, découverte du nouvel enrobé. Un joli tapis. Allez, c'est parti. Accélération. Allez. Ça roule, petit bolide. Allez, un petit dodan. Attention, ça passe, ça passe, ça passe. Facile. Alors, 32 degrés aujourd'hui à Metz. Là, un peu de fraîcheur en fin de journée. En plus, il y a les étangs tout autour. Donc, c'est assez agréable. Le vent est relativement faible. Donc, c'est cool. Ah non, mais ça c'est super. Donc là, je suis en direction de la Max. Je vais faire la boucle. Voilà. Ah là 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 là. Allez, on envoie. Patinoche! Allez! Alors, là je pousse, je suis dans les 30-35. Quand le revêtement va bien, qu'il n'y ait pas trop de vent de face. Ah, voiture à 6 heures. Oh, ça va, ça passe tranquille. Voilà, les gens sont sympas. Ah là là, c'est cool. Là voilà, c'est du bonheur. Et comme c'est toujours le foot à la télé pour la Coupe d'Europe, bah il n'y a quasiment personne dehors. Donc, la route, bah j'en profite, je suis un peu tout seul. Voilà, donc ici, carrefour. Donc, je vois que le côté là n'a pas été fait. Ouais, là le macadam est, bah, on va dire plus ou moins moyen. Bon, médiocre, allez, on va dire. Et là, c'est la partie qui relie Argancy. Argancy, Talange, enfin, Mont-de-l'Ange, puis après sur Thionville, évidemment. Et là, ce soir, voilà, je vais aller sur la Max. J'espère que le passage de l'autoroute se passera bien, parce que si je me souviens bien, il y a une partie qui est un peu rugueuse. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Voilà. Bon, je ferme un peu la bouche parce que il y a beaucoup de moustiques ici. Allez. C'est génial, non? Bon, il y a une voiture qui arrive en face.
Ça va le faire. Voilà. Tranquille. Alors vraiment, comme je disais hier dans la vidéo, c'est vraiment très agréable de rouler à ce, dans ce créneau horaire. Voilà, il y a encore assez de luminosité, il fait plus trop chaud. Voilà, c'est vraiment pile poil. Bon, j'arrive au pont qui enjambe la 31. Donc, direction Luxembourg à gauche, direction Metz à droite. Voilà, là ça va grimper. Allez, on pousse sur les appuis. Les appuis. Allez. Elle est sévère celle-là, hein. La vache. Je préfère la faire en descente, vraiment. Bon, je suis limité à 30 là. J'irai pas à 30. Enfin, en tout cas, pas dans la montée. Ça paraît pas, mais elle est raide. Voilà. Voilà. Ah, ça fait du bien d'arriver en haut. Eh ouais. Bon bah, comme qui dirait l'autre là, la récompense, c'est la descente. Eh ouais. Bon, a priori, il n'y a personne. Allez, on envoie. Allez, ça roule, ça roule, ça roule. Allez. La max. Ouais. Les vaches. Alors ouais. Ah. Je le connaissais pas celui-là. Un radar pédagogique. Mais je l'ai pas allumé, malheureusement. D'habitude, je les allume, les pédagogiques. Et là, non, il n'a pas voulu. Je suis déçu. Voilà. Donc là, les champs, lotissement. La Max, mon lieu de messe. Alors, je vais arriver au cimetière. Il y a un rond-point. J'ai deux possibilités. À droite, je rentre sur Metz Nord. À gauche, je vais sur Argancy avec les jardins vitrés. Allez, on va faire ça. Allez. Le petit rond-point qui va bien. La carriole d'époque, le cimetière, et ouais, c'est la vie. Allez, bon alors, là le passage, ici est pas extraordinaire. Hop, toujours mieux que du gravier. Alors, faut juste faire gaffe aux cailloux. Des fois il y a de la terre aussi à certains endroits. Les tracteurs passent. Bon, ça fait un moment qu'il n'y a pas plu, donc a priori ça devrait être propre. A priori. Ah, ah là là, ça roule là. C'est comme, ça me fait penser là comme ça, c'est comme dans Lucky Luke, ouais. À la fin de l'aventure il part dans le soleil couchant. Voilà, bon, d'accord, la monture est pas, c'est plutôt mes rollers, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein.
macadam devient un peu meilleur. Au fond, les jardins vitrés. Ouais, c'est impressionnant. Bon, je suis jamais rentré, mais déjà de l'extérieur, ça paraît carrément immense. Bon, en plus, comme c'est des serres fermées, en ce moment avec le soleil, ça doit être les tubes là-dedans, le vrai sauna. Voilà. Donc j'arrive bientôt au jardin vitré et je rejoins la véloroute en site propre parce que là je suis en site partagé. Ah, ah voilà. Voilà. Là, du beau macadam. Voilà. Ouais. Ça donne envie, hein. Quand c'est, ça glisse comme ça, c'est. Ouais, c'est bonheur. Ça fait prendre l'air. Ça fait les muscles. Voilà. Donc les fameuses serres. Ouais, c'est. Faut avoir la main verte, hein, c'est sûr. Ah. Le petit tour du propriétaire. Ah. Voilà. Donc, cette petite balade m'a permis de découvrir le nouveau revêtement au niveau de Saint-Rémy. C'est génial. Wouhou ! Et arrivé au bunker, enfin le vieux bunker de la véloroute Charles le Téméraire. Voilà. Il reste plus que ça. Un tas de ciment. Voilà. Et au fond, la marina avec les bateaux de plaisance, le plan d'eau d'Argancy. Voilà, c'est un vrai miroir ce soir. Hein. C'est waouh, c'est impressionnant. Voilà. Bisous tout le monde. Pouette pouette, merci d'être venu avec moi. Ah, elle est contente aussi. Ah, c'était bien. Elle dit oui. Bon, allez, c'est fini. Wouh. Ciao, ciao.